numéro 1, le best-seller de chez Beiti. Donc ça, vous le savez, et de toute façon, même ici aux Émirats, c'est celui-ci. Je vous ai toujours dit que je trouvais qu'il me ressemblait tellement... parce que il sent vraiment... Il sent la douceur, la gentillesse. Je veux pas me saucer, mais il me représente trop. Genre, si t'es une petite meuf douce, gentille, mignonne, genre dans ton comportement, tu sais, t'es une meuf trop mignonne et tout, c'est celui-là qu'il te faut. Genre vraiment, si tu veux un parfum qui te ressemble, c'est celui-là qu'il te faut. Et en fait, moi je trouvais qu'il sentait la sucrerie, le gel douche. C'est la pouilleuse qui est en train de miauler derrière la fenêtre. En fait, vous savez quoi? Tout le monde me dit qu'il sent le milkshake à la fraise. Mais c'est trop réel. Mais vous savez, le milkshake à la fraise... Comment? Un peu à la vanille. Genre... Est-ce que vous avez connu, je crois que c'était les glaces de Lidl un peu. Je crois que c'était ça, je sais plus. C'était un petit pot où j'étais toute petite. Il y avait la moitié rose, la moitié blanc. Ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ces petites glaces-là. Oh, genre trop bon. Trop, t'es une petite glace trop, trop bon. Bref. Elle a un coffret. C'est celui-ci, les filles. Vous avez donc le parfum en 100 ml. Vous verrez les prix et tout. Franchement, c'est incroyable. Et vous avez... Que je ne mets pas. J'ai reçu le coffret, les filles. Alors, j'appuie là. En fait, ça ressemble quand même à un petit spray de déodorant. Non, chut. Pas du tout. Ok. Donc, vous avez le déodorant. Donc, là, si tu prends le coffret, t'as le déo, tu sors de ta douche. Oh là là, t'es un milkshake à la fraise qui bombarde et qui se balade dans la maison. Plus, si t'as le parfum, c'est vraiment n'importe quoi. Moi, celui-là, je l'emmenais tout le temps au sport. Quand je sortais du sport, oh là là, tout le monde me disait que je sentais trop bon. Donc, première pépite. Deuxième, on a l'Atlantis. Vous le savez. Celui-ci, pareil. Mais celui-ci sent beaucoup plus fort. Celui-ci, pour moi, c'est plus un parfum du soir que je vais mettre pour aller dîner. Vous voyez ce mood-là? Celui-là, franchement, il porte bien son nom. Vous voyez déjà le flacon, comment il est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez avec la lumière tous les petits détails. De toute façon, les packagings, en général, des parfums à Dubaï, c'est toujours plus. Genre, ils sont vraiment très jolis. Donc, on est aussi sur un 100 ml. Je vous mets le prix juste là. Vraiment hyper abordable. On est sur des odeurs fruitées. Intense, hein. Je vous l'ai dit, pour moi c'est plus pour le soir. Fruité avec des notes aquatiques, genre la mer, tu vois. Genre c'est ce mood là, celui-là c'est ce mood là. C'est en mode la mer, mais la mer couchée de soleil, tu vois, pas la mer la journée. Désolée comment je vous décris les parfums, mais je vous les décris comme je le pense. Et est-ce qu'on en parle de ça? Ça, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Ou est-ce que vous ne l'avez jamais vu passer? Je vous explique, c'était en full rupture depuis des mois et des mois, de partout. Beiti, elle vient enfin d'en remettre en stock. Donc déjà, vous connaissez hein, ce format-là. Ou si vous ne connaissez pas, je vous montre. Donc, tu as juste ici. Et tu as de la crème qui sort. C'est la crème pour les mains Yara, les filles. C'est la crème hydratante qui va... avec cette gamme-là. Donc ça, si vous avez envie de vous faire kiffer, les filles, et de l'avoir toujours avec vous pour oh là là, vous hydrater les mains et sentir trop trop bon comme ça, n'hésitez pas à foncer parce qu'il est tout le temps en rupture. Il est jamais, 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 jamais en stock. Bref, les filles, j'espère que j'ai été assez explicite sur ma petite collection de parfums Dubaï favorite puisque j'en ai des tonnes. Mais là, le Yara. Non, le Yara, il faut faire du stock. Et d'ailleurs, il y a celui-ci aussi. Vous avez deux Yara, le rose et le blanc. Le blanc, il est différent. Donc, moi, j'utilise les deux. C'est vraiment en fonction des moods, mais je préfère quand même celui-ci. Mais après, les filles, aussi. Ouais, c'est différent. Ça n'a rien à voir, hein, les filles. Ne vous dites pas, c'est Yara, genre, c'est la même odeur. Non, pour moi, c'est différent, mais les deux sont trop bons. Mais c'est un autre mood. Genre, ça, c'est vraiment en mode sortie de douche, tout ça. Oh là là, la sucrerie, tu vois. Ça, c'est plus le matin, il fait beau. Peut-être que je dis n'importe quoi dans mes explications, mais en mode, j'ouvre mes volets, je vois, il fait trop beau et tout. Il y a un peu de la verdure. Vas-y, j'ai envie de mettre ça. Genre, je me sens trop, trop la petite fille de la prairie qui sent trop bon, qui est plein de légèreté et tout. C'est celui-là. Bref. En tout cas, profitez-en. Si vous avez le budget, les filles, franchement, déjà, prenez ce coffret-là. En plus, il y a des soldes de fou, comme je vous ai dit.
Bah, prenez l'Atlantis si vous aimez les parfums plus intenses. La crème, si vous pouvez, prenez-la avec l'Oyara. Et celui-là aussi, pour changer un petit peu de mood. Je ne sais pas s'il est encore dispo sur son site. Peut-être qu'il est en rupture, les filles, je ne sais plus. Hein. En tout cas, moi, je sais que je l'avais eu à l'époque sur son site.